cérémonie de présentation officielle et d'installation du porte-parole du Premier ministre Pascal Adrien. Comme vous le savez très bien, Jean-Henri Séan, aujourd'hui Premier ministre, a toujours cru dans la participation de la jeunesse pour changer ce pays. Il ne le dit pas seulement, c'est remarqué à travers ses actes. Avant qu'il soit devenu Premier ministre, il avait toujours à ses côtés des jeunes. Devenu Premier ministre, il se fait encore accompagner de jeunes. Pascal n'est pas un terrain connu, puisque vous le savez très bien, quelques temps avant cela, Pascal et moi et un autre collègue qui va arriver, nous étions ensemble à porter la parole pour le citoyen Jean-Henri Séan, à l'époque candidat à la présidence. Aujourd'hui devenu Premier ministre, tenu astreint à faire atterrir, à appliquer la vision du président de la République, Pascal est dans son équipe et c'est en lui que le Premier ministre a placé sa confiance pour porter la parole du gouvernement dans un contexte aussi difficile. Vous le savez déjà, Pascal est très jeune, il est plus jeune que moi, mais jeune, il a fait plus d'expérience par rapport à son âge. Très expérimenté, vous le savez déjà, Pascal a eu un parcours extraordinaire qui l'autorise aujourd'hui à obtenir ce grade de porte-parole du Premier ministre Jean-Henri Séan. Mesdames, Messieurs de la presse, les amis qui nous regardent et qui nous écoutent à la radio, je vous présente officiellement M. Pascal Adrien, le porte-parole du Premier ministre Jean-Henri Séan. Pour remercier en tout premier lieu le Premier ministre Jean-Henri Séan pour la confiance dont il vient de m'investir ce matin en me permettant d'entrer en selle dans un contexte socio-politique et économique particulier comme son porte-parole officiel. Je mesure l'ampleur du choix qui a été fait de ma personne. J'ai accepté d'assumer cette responsabilité avec beaucoup d'humilité et avec un sens du service public. Jean, directeur de cabinet adjoint à Sodil, nous ne sommes pas en territoire inconnu. Nous connaissons ensemble de valeurs qui caractérisent cette équipe qui dirige l'action gouvernementale. Et fort de valeurs partagées, nous sentons à l'aise pour nous d'abord mettre nous au service de la population en général. En tant que porte-parole du PM, je serai une interface entre le Premier ministre, par ricochet, entre le gouvernement et la population. Et nous croyons que, avant tout, c'est une question de porter une parole de transparence qui est capable de garantir nous que le jeu démocratique là lui-même l'y a renforcé en dans le pays. Je veux être très sobre, très humble en acceptant ce nouveau poste. Et encore une fois, le maître mot, c'est transparence, renforcement du jeu démocratique à travers une parole de vérité. Et d'ores et déjà, je suis disponible pour la presse en général, question de permettre à la population haïtienne de savoir en temps réel ensemble de efforts qui a fait par le Premier ministre là, par le gouvernement en général, pour que ensemble nous garantissons tout petit pays à ça tout le monde attend depuis dix d'antan qui c'est la vie meilleure. Réconcilier l'État avec la nation, c'est boussole PM,
Et moi, je pense que, en ce sens, moi, très à l'aise comme jeune, comme professionnel, comme monde qui compare au cours, pour que moi, mette humblement, encore une fois, au service du PM, au service du gouvernement et au service du peuple haïtien en général. Question pays et la loi de la République, lui baille tout haïtien et toute catégorie sociale, tout le monde droit et pour y revendiquer que ça y est estimé qui est bon, y a baille tout chemin pour faire, y baille tout y a moyen pour faire. Et donc, qu'il s'agisse d'avocats, que c'est médecin, que c'est le commun des mortels, que c'est citoyen ordinaire, et entre parenthèses, chaque monde a le droit dans l'exercice professionnel ou bien dans l'exercice de droit civil et politique, il a le droit lui-même manifester un intérêt, il a le droit tout manifester un désir pour lui exprimer un point de vue, exprimer une revendication, exprimer tout, ça lui estime qui est important pour lui. Dans le niveau ça, si vous comprenez bien comme ça, vous comprenez tout. Que c'est avocat aujourd'hui qui a fait grève, que c'est un autre secteur d'activité, nous pensons que il y a un droit fait. Maintenant, ça nous vient pour nous garder. Est-ce que gagner incidence, est-ce que gagner conséquence grave, est-ce que gagner moyen tout pour nous transcender situation. À partir de ce moment, c'est nous qui avons le droit que chaque monde gagne pour ta fait. Grève, qui c'est un moyen, qui sont un moyen de revendication. Donc, nous devons être haïtiens à part entière, nous devons capables de transcender divergences, nous devons être capables de concilier les contraires, nous devons capables de faire en sorte que nous ayons l'intérêt supérieur de la nation. À partir de ce moment, m'a dit que faut qu'on gagne un chita palé entre secteur qui impliqué entre protagonistes entre monde qui directement concerné par grève ça et que ce soit autorité yo, que ce soit avocat yo, que ce soit le parquet de Port-au-Prince, moi c'est que là ça m'a dit pour un chita palé garder conséquence ça a gagné et puis joindre une solution appropriée. Solution, on ne peut pas dicter parce que je n'ai pas monopole décision. Solution, on ne peut pas dicter, mais c'est la chute à parler pour faire un regard intérêt pays in globo. Et au même magistrat Lebens, qu'est-ce que vous avez dit sur question ça? Bon, quel que soit l'instrument juridique international de protection des droits de l'homme et même l'homme d'avenir en droit interne, donc tout instrument juridique ça, il garantit droit de grève à tout professionnel, tout employé ou salarié qui a senti que conditions de travail n'ont pas réuni ou du moins sa profession et les valeurs et certaines valeurs de la profession n'ont pas respecté. Donc de ce fait, étant donné que les professeurs avocats sont professionnels libéral, donc et à tel point que il y a aucun droit pour faire grève tout si toutefois que estimé que et profession est menacée par exemple par des violences policières que et certains avocats et certains avocats victimes. De ce fait, il y a un incident qui est arrivé dans le parquet avec une autorité, la police, et puis un avocat et puis un responsable de greffe dans le parquet. Alors, l'avocat estime que il était capable droit et commissaire gouvernement, puisque en cas de flagrance, il est capable de procéder à l'arrestation et autorité policière. Ça. Bon, pour une raison ou l'autre, il n'est pas fait libre, bon, bien que le commissaire du gouvernement lui-même il a un droit pour le poursuivre ou bien pour faire un classement sans suite ou bien pour le poursuivre. Cependant, la loi mettait à disposition les gens qui sont victimes d'une exaction et que si vous portez plainte dans le parquet et que le parquet n'a pas mis action publique en mouvement contre, il n'a pas mis action publique en mouvement contre et présumé et coupable là, ou même capable de faire ça. Les citations directes, ça veut dire que les gens directement au tribunal correction d'instruction délit ou bien ou faire une plainte avec constitution de partie civile ou saisie cabinet d'instruction ou même. Donc je vais si toutefois que l'autorité judiciaire là, qui c'est le commissaire du gouvernement, pas voulu mettre action public en mouvement contre, on peut porter plainte pour lui ou bien dénoncer enfin, donc ou même capable et faire un genre
pour la justice capable de tendre des causes là. Bon, malheureusement que Baoua pas décidé pour faire ça, il est passé à un autre moyen, il est venu radicaliser moyen de revendication, en attendant c'est que il est passé cadenas dans le portail là. Mais on va demander est-ce que l'avocat est en grève, parce que le cabinet d'avocat n'a pas fermé pour toi. Son profession libérale, il a toujours recevoir client, il a bail consultation, mais c'est tribunal là qui a activité dans tribunal là qui est handicapé. Donc moi même pas une solution que me capable bail parce que il a demandé révocation au commissaire du gouvernement comme seul moyen pour capable gérer de dénouement à crise là. Moi m'a dit même j'ai avec Maître Jelin, c'est dialogue qui vous fait entre les protagonistes pour capable joindre une solution parce que il y a des milliers de monde cap coupé en dans prison et ne connaît conditions en prison pas tellement bon pour détenir. La police scientifique c'est auxiliaire la justice parce que l'on parlait de système judiciaire, la police en dedans les cependant radicaliser et moyen de revendication discours on pas quoi la mener dans quel côté. Donc si Dessalines avec Pétion n'est ça été radicalisé discours donc on est différente gain Dessalines avec Pétion et finalement n'a été obligé venir entendre parce que ouais que et si toutefois que y a goumé une contre l'autre et blanc a venir l'a détruit parti par Dessalines après ça le détruit par Pétion et il n'a pas existé. Donc il vient garder en jeu, il vient réaliser que tous les deux si on a été son discours radical comme ça, tous les deux capables de disparaître, et bien il était une nécessité pour te faire et indépendance là pour te consolider indépendance là ensemble. Donc si Batonia a radicalisé discours, il dit que tout le temps il pas révoqué commissaire et grève la pas lever ou bien commissaire a dit lui-même il pas aller ou bien le gouvernement dit il pas prendre l'ordre dans mes avocats l'a quitté commissaire gouvernement et ça qui étonne c'est parce que ni commissaire du gouvernement ni et bâtonnier pas gagné en cap perdant parce que pas en prison il pas gagné cause devant la justice et le avocat vini dans tribunal vini plaider qu'on est ces dernières phases là dans procès qui était arrêté. Vous comprenez? Parce que automatiquement que le client vient côté, il faut payer la consultation et puis il faut payer le démarche, chaque papier pour l'écrit, pour le voir bali, il faut que c'est parce que son professionnel lié la travail pour. Donc le jour où elle vient dans le tribunal là, c'est pas juste ça comme la fête. Comme la dégâts en fait bien avant ça. Donc ça veut dire que moun kap soti perdant, c'est moun qui est en prison. Et malheureusement, il y a plus de monde qui est innocent qui est en prison, qui attend qu'il ait un jour, un juge va attendre pour être capable de rentrer la caillou pour une décision de libération et prononcer en faveur pour rentrer la caillou. Le commissaire gouvernement a toujours touché, avec Batonia, le cabinet a fonctionné, il a toujours jeune cop, il a fait consultation et puis il a toujours fait couler dans l'université ou bien pour prononcer conférence. Mais le monde sait qu'il est en prison, il faut tenir compte de lui. Donc entre la police et la justice, je ne crois pas que c'est là le problème à poser parce que la police condamnée pour collaborer avec la justice et la justice condamnée pour être capable de dire le droit. Donc il était qu'on y a pour me retourner encore sur le discours fondamental et mettre Julien, c'est dialogue qui peut gagner pour que avant 18 novembre, pour nous joindre, un modus operandi pour nous capables et permettre que l'activité reprenne en dans le tribunal. Là. Parce que le juge a touché, le greffier a touché, l'huissier a touché, le commissaire gouvernement a touché, bâtonnier a fait consultation, a recevoir client, a fait comme. Mais les gens qui sont en prison, au moins, il faut que connaissent pour combien de temps là et pour une décision de justice capable de prendre, soit en faveur ou du moins pour condamner. La Constitution dit que drapeau, couleur drapeau noir, c'est bleu et rouge. Même j'en dis que superficie, c'est 27 700 km² et puis il dit combien il nous gagne, qu'il a donné, et territoire pas capable de diviser ou autre, et puis il garantit un paquet de droits encore pour citoyens, et puis devoir, citoyens parce que pas gain droit sans devoir. Et en fait, dans des situations de révolution et où qu'on conjoint il y a des drapeaux révolutionnaires qui montent. Mais le problème qui pose en Haïti c'est que à mon avis pas ouais que grand mouvement révolutionnaire qu'a fait en révolution radicale qu'a fait parce que fait radio m'entendez en pile information et puis moi lis journal tout. Bon, pas tellement regarder télévision, mais depuis c'est l'heure et gagner
garder le janvier on garder quelques fragments mais et on pas ouais tant qu'on révolution radicale qu'a fait dans dans pays malgré qu'on gagne manifestation et manifestation de rue tout ça quoi parce que si on parle de révolution on pas capable par exemple mander président pour quitter pouvoir et puis pour bailler soit président assemblée nationale là pour bailler président assemblée nationale là pouvoir ou bien pour bailler et vice-président ou bien pour passer par un juge cour de cassation ou bien là lui-même on a toujours été dans la loi or en période de révolutionnaire les lois se taisent depuis qu'on révolution qui fait là actuellement donc pas rien pour faire c'est constitution pour mettre en veilleuse et puis mais mettre toute loi en souci ça veut dire que c'est comité révolution hein, qui pourra le prendre pouvoir donc c'est ça fait que si toutefois un drapeau noir et rouge qui monte et penser que c'est monde qui monte là qui capable bailler explication à ça mais en termes de révolution toujours bien ça qui fait dans monde là ou bien des surtout le des mouvements séparatistes quand il y a ça qui fait même pas quoi que c'est le nord qui m'a dit pour séparer avec avec respiria donc jusqu'à présent et une sorte de désacralisation de symbole nous et c'est un problème qui vient faire que en Haïti une sorte de déchéance une sorte de dégénérance en dedans pays pour qui ça c'est parce que symbole nous n'ont pas respecté même sous champ de masse nous gens que nous traiter et symbole nous statut héros nous et mieux pas na comment mon entrer là-dedans et qui leur qui ça mon fait comme si de héros de l'indépendance de armes qu'on tirer yo mettez dans mieux pas na les mon est-ce que nous avons un tir rêve est-ce que nous les passer devant avec marron est-ce que qu'on y a mon petit monde camper ou grand monde camper comme si pour expliquer qui ça avec marron est-ce que yo recevoir charge d'information que statut ça que tout symbole ça représenté en dans pays là le drapeau a monté combien moun noue qui camper machine qui camper pour saluer drapeau pas gain ça encore donc on sort de désacralisation de symbole nous et ça vient faire que en dans pays là conseil de valeurs républicaines nous vient pas cultiver encore donc ça c'est ça bail problème pour capable camper vraiment un état côté que moun respecte la loi moun yon de qui commettre et axa et na avertir aujourd'hui hein et ma rappelé trois chapeaux que j'ai. Premièrement, c'est un membre de l'opposition politique. Deuxièmement, c'est un ancien sénateur de la République. Troisièmement, c'est un ancien candidat à la présidence. Donc, ça veut dire que il y a un monde comme ça qui fait un acte, acte la gagne, porté, il y a des conséquences, il y a gravité. Contrairement à si c'était un citoyen ordinaire. Que l'été question d'un citoyen ordinaire, que c'est monsieur Sampala avec ou bien l'autre qui est dans la catégorie, eh bien, AXA est punissable au regard de la loi. Parce que profaner un symbole extraordinaire de l'État. Ou profaner et ou fait ou lancer un signal qui sujet à de multiples interprétations. Il est capable de lancer un signal de guerre, il est capable de lancer un signal d'irrespect face à la Constitution, il est capable de signaler tout que on dit ou même pas respecter la loi. Moi, je pense que face à un tel acte, c'est pour toute nation, et comme de fait, nous avons pile de monde parlé, c'est tout le monde a l'unisson parce que vous êtes condamné à ça, une façon pour nous, petits gens, ni M. X, pas tenter de faire encore. C'est pour ça moi-même, moi, quoi que la justice t'a supposé dire un mot sous question pour être capable de lancer un signal et pas autoriser personne à faire ça encore, que c'est de la pouvoir, que c'est tout l'autre symbole de l'État israélien, fait sous ta cité Maoulaou, il faut rester dans le respect des principes. Vous pensez que symbole ça yo, qui traduit l'existence même de la Respublica, symbole ça yo, qui identifie nous comme citoyens, symbole ça yo, qui c'est des symboles identitaires. Je pense que le sacré n'est même pas supposément un héros. Donc, l'homme dit ça, je pense que la justice, il y a un mot pas pour le dire. Et si le monde a bénéficié de quelconque impunité, ça veut dire que n'importe qui n'est pas capable de permettre qu'il fasse le tout.
c'est peut-être ça moi-même penser que moi je l'ai moi assumer responsabilité pour moi condamner à là non fourni non formé et non tout gens que il fait là on correspondant tout moi pas le voyer par président Lambert pour demander inviter CSPN non non seulement sous situation générale insécurité à nous qui a qui vivait non niveau côté peuple pas kembe encore jodi on pas ka garder seulement nous pas ka garder seulement problème insécurité on nous garder problème social yo tout jodi a ti marchand k'ap vann la saline qui eux même c'est des ça yo vivre yo obligé chita la caillou moun ki gen ti business dans zone là obligé chita la caillou même au niveau sénat là ou ka wè employé a couri monter couri descend bal a tombé dans machine tout en dans parlement. On dans zone là ou gen trois ou pratiquement gen trois pouvoirs qui dans zone là ou gen nous même bon ici qui c'est pouvoir et législatif là nous gagnons pouvoir exécutif là à travers et primature qui lui même dans même zone là ou gagnons et justice là qui lui même là tout. Donc pendant la période, ça, il y a plusieurs activités qu'on fait ensemble. Et nous avons commencé avec la construction de l'école, avec le tremblement de terre, pour le président de l'Ouest. Et jusqu'à présent, nous avons continué à construire l'école, sauf que nous changeons d'approche. Nous avons cette école nationale, nous l'avons construite et réparée. Mais de notre façon de continuer à collaborer avec ASF. Donc, force à ASR et Chita dans la question des loyers, c'est un aspect qui est très important. Parce que, premièrement, l'État joue un rôle et une responsabilité dans la question des femmes de l'Atimoun. Mais, en une fois tout, nous sommes facile pour dire que l'État pas joué un rôle, il va prendre une responsabilité. Parce que ce n'est pas seulement l'État qui a une responsabilité. Chaque monde a une responsabilité en tant que citoyen, soit grand monde ou bien petit monde. Donc, bien qu'on ait quelques timons qui l'a joué à tout, parce que ça c'est un bail. On dit à ASR, nous faisons activité pour les timons, même pas les timons. C'est le grand monde qui chita dans ça. Donc, bien qu'on ait l'a joué à. Et puis, ma pas encourager nous avons toute la vie nous, devant nous. Donc, faire rêve et puis réaliser rêve nous. Donc, un professeur de DIM, même de quitter l'école là, il dit la vie c'est une promesse réalisée. Donc, ma pas encourager nous tout. Pour faire rêve et puis pour réaliser les rêves dans la vie nous. Donc, je le fais encore à essayer de travailler nous faire dans la question de l'égoïsme, c'est un travail qui est important. Et puis, je connais pendant l'histoire à nous, pour qu'on ait travaillé nous faire, ce n'était pas toujours facile. Donc, il y a quelques crises même qui étaient gagnées dans ASR. Et puis, le récent moment, je dis bonsoir, ASR a classé Kounia ou bien a sorti plus fort. Donc, bien content, c'est deuxième année de web. Donc, nous pouvons vraiment nous sortir plus fort dans la crise. Donc, félicitez-nous pour le travail que nous faisons. Et pour façon, nous avons utilisé l'occasion ça dans mon sens pour venir une opportunité pour nous-mêmes nous continuer à travailler plus fort pour défendre le droit du monde. Donc, le travail, ça nous a fait dans différents niveaux. Une, ça nous fait les doyens, c'est un niveau qui est très important. Le travail de Timoun dans la domesticité a gagné plus de 207 000 Timoun qui ont plus petit passé 14 ans qui a exploité dans le travail de la famille. Et si on prend un chiffre qui est plus haut pour vivre dans le moins passé 18 ans, c'est plus de 400 000 Timoun qui ont la caille de leur famille et qui ont exploité. Et non, ça, il dit. Moun sa yo fè famin sa yo, ti moun sa yo toune restab. Sa ve di nou nan 2018, Haïti pa ka kontinye ap sipote pou genye kantite ti moun sa yo y ap eksploate lakay lòt famin tan pou esklav. Nou pa ka kontinye aksepte bagay sa. Et c'est dans ce sens sa, c'est dans ce sens pou nou deraciner pratik pou fè ti moun toune esclaves, que
Phyllis Slims mettait ensemble avec l'autre partenaire pour soutenir le réseau à bas système prestataire. Nous-mêmes, nous croyons dans un modèle communautaire, côté famille renforcée pour qu'il y ait un la caillou. C'est ça qui est le plus beau modèle. Mais tout, si la si famille n'a pas de capacité, il faut que la communauté soit capable de faire solidarité avec la famille ça, pour capable aider au Québec sous des pieds. Et en plus, l'État doit être présent pour soutenir la communauté, pour la famille capable de faire la caillou. Il y a un gros effort qu'a fait Konya, c'est le mouvement pour mettre la famille d'accueil. Parce que ce n'est pas tout le temps. Si nous n'avons pas capable de dans la famille, pour quelle que soit la raison, parents ou mourir, pour quel que soit, mais doit gagner un côté pour si nous n'avons en sécurité pour l'irriter. Et l'État doit contrôler comment on si nous a déplacé dans la famille pour lui aller dans notre famille. Bien plus progrès nous fait déjà. Depuis 2014, l'État haïtien prend une loi contre la traite monde. Côté lui dit comme ça, pour quelle que soit la raison, depuis que vous prenez un petit monde pour mettre la caille ou pour exploiter, c'est un crime lié. Il fait catégorie la traite monde. Ça veut dire depuis 2014, prendre un petit monde, mettre la caille ou pour exploiter, c'est un crime lié. Mais malheureusement, depuis 4 ans, nous ne pouvons gagner aucun procès qui fait, pour ça me connaît, nous ne pouvons gagner aucune condamnation qui fait pour famille qui a exploité un petit monde. Qui fait retourner sous forme la traite monde. J'en profite pour remercier le représentant de Free Slave en Haïti, la représentante de Churchill Service en Haïti, et Mme Gerda Alexis Macostant, l'une des fondatrices du réseau ASR Haïti, pour le travail accompli dans le cadre de la lutte contre le travail inacceptable des enfants en Haïti. Permettez-moi également de féliciter toutes les organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine de la protection des enfants. Cet événement revêt d'une grande signification dans la mesure où il se situe dans le cadre de la lutte pour l'éradication du travail domestique non acceptable des enfants défini dans le plan d'action du réseau pour l'année 2018-2020. ASR Haïti est l'unique réseau travaillant sur cette problématique en Haïti. Il renouvelle son engagement de travail en partenariat avec des organisations sœurs afin d'atteindre les objectifs dans les limites de son plan d'action. Dans nos communautés, disons mieux, dans toutes les communautés, qu'il s'agisse des milieux ruraux et urbains, en voie de défense des droits de l'enfant, la promotion des droits de l'enfant à travers la mise en application des cadres légaux par rapport à la protection de la défense des droits de l'enfant sont des thématiques qui participent au même combat. Faire bouger cette ligne et changer le contenu nous conduit vers des voies que les organisations nationales, internationales et les organes étatiques en matière de la protection des enfants à eux seuls ne sauraient pas vivre. La situation critique est à la faute des familles, plus particulièrement des enfants. Les enfants inquiètent tous les partenaires sociaux. Madame, Monsieur, le réseau ASR Haïti que je préside depuis plus de 3 ans est heureux d'annoncer la mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et de plaidoyer tenant compte des prescrits relatifs aux conventions internationales et des projets de loi en souffrance au Parlement. Exemple, le Code de protection de l'enfant. Je tiens à souligner qu'à l'occasion de la nouvelle année fiscale 2018-2019, la priorité pour nous est la sensibilisation, la conscientisation et le plaidoyer sont les 3 axes qui intéressent cet auguste réseau au plus haut point. Ainsi, ASR Haïti met en application le plaidoyer pour l'application des lois, des conventions et des engagements prises par l'État haïtien en rapport avec les droits de l'enfant, aussi des projets qui visent les plus vulnérables et surtout les enfants travailleurs sont extrêmement importants. Sans oublier le projet de sensibilisation d'où un renforcement de la famille et la fondation de l'État de la Nation dont nous rêvons tous. Permettez-moi de préciser
dans une autre registre, la volonté du réseau de se pencher sur la situation des enfants dans le domaine du travail domestique inacceptable, après la ratification de la Convention 189 relative à l'élimination des pires formes de travail des enfants. Nous souhaitons une franche collaboration entre toutes les organisations intervenant sur cette problématique. La volonté, la bonne entente sont là. Nous restons à l'écoute de toutes les organisations nationales et internationales et nous sommes prêts à poursuivre ensemble le chemin pour le bien-être collectif des enfants. Je vous remercie. Nous avons lancé 20 restaurants communautaires, spécialement ministère Affaires Sociales et FAES. Côté, il y a moins de 10 000 personnes à Digoud dans différentes zones de la communauté qui bénéficient d'un plat chaud chaque jour. Actuellement, là, nous pouvons gagner 20 lots à 40 lots qui pourraient bénéficier, manger, qui pourraient évaluer de 20 000 personnes, mettre à 10 000 personnes, parfois 30 000 personnes. Nous, même dans la commission sociale, président MIC, nous ouvrons genoux pour identifier et travailler main dans main, côte à côte, à chaque leader dans la zone qui a un restaurant communautaire. Après le constat, nous avons fait. En plus, le restaurant, ça vraiment, yo prend manger, yo, yo pas ouvrir. Dans le jour le gouvernement mandé pour nous accompagner le programme, ça, permettre que la population jeune manger, gens y attend ça. Et nous attendons tout, une petite parole qui parle sur la question de maman chérie à tout. Nous lançons l'opération pour nous identifier dès l'école. Pour nous connaître est-ce que les parents bénéficient du support de l'État. Dans ce sens, le gouvernement Jovenel Seyant travaille chaque jour pour voir comment il est capable d'améliorer les conditions de la vie du peuple haïtien. Je vais citer quelques zones qui ont un restaurant communautaire. Nous avons Cité de Dieu, nous avons Bel Air, nous avons Solino, nous avons Cité Soleil, nous avons dans Kazo, nous gagnons sous frais, nous gagnons en bas la ville, côté que la population a déjà une chance pour jouer un plat chaud. Et ma première média lisse, restaurant ça, permet pour aider à mener des enquêtes sur yo. Parce que nous disons depuis le 1er novembre, nous avons tout restaurant manger pour être capable de bailler la population. Qui type de manger nous baille? Et combien manger nous baille? Nous baille 40 sacs de riz qui pour faire un mois. Nous baille 3 caisses d'huile, gros galon. Yo. Nous baille 3 sacs de pois. Et nous baille 10 caisses de saumon qui permettent de faire sauce. Du rico le dit sauce pour la population. Ça veut dire si peuple là pas joué de manger ça, gouvernement Jovenel Seyant, ministère Affaires Sociales FAS, n'est pas responsable. C'est dans ce sens ça qui fait nous bah conférence là pour population zone yo, citoyens citoyennes yo prendre responsabilité yo, aider l'État parce que nous tout c'est l'État parce que recette yo revient l'État qui rend tout programme ça yo a fait jeune jodi a parti politique paysan a dénoncé gros complot en bachar sans pareil a manigancé en dans appareil judiciaire pour barrer la route ak ancien premier ministre Lamotte comme quoi li c'est un candidat potentiel pour poste président. Parti politique paysan te toujours mandé et puis l'a continuer mandé pour tout le monde à la ronde badé qui t'a géré l'argent l'État, pour yon rendre compte sous gestion yo, faut que ça fait, j'en la loi mandé là. Toute institution publique, coup privé, qui te recevoir l'argent l'État, doit rendre compte sous projet yon réalisé avec l'argent Petro-Caribéen. Moun ou bien institution qui en contravention avec la loi, a bien pour répondre comme ça doit. Sous façon yo te gérer l'argent l'État.
Ça fait dit, on mettait, ça fait l'argent Petro-Caribéa sous le ancien premier ministre Lamotte pour faire peuple là suspendre mandé côté l'argent Petro-Caribéa pas passé coup ça pas passé. C'est tout responsable entreprise privée et institution l'état sorti dans l'année 2008 pour arriver juste journée jodia qui pouvin expliquer ça y était réalisé avec l'argent Petro-Caribéa. Tout le monde qui était impliqué dans gérer l'argent Petro-Caribéa doit marcher avec dossier yo pour venir défendre tête yo Jean la loi mandé ça. Peuple haïtien yon doit l'ouvrir gel pour pas prendre dans procès tête chat cap manigancé contre ancien premier ministre Lamotte. Tout rapport sous qualité gestion ancien premier ministre Lamotte devant parlement. C'est verdict parlement l'attend parce que rapport Cour supérieure des comptes yo favorable à gestion. Pays d'Haïti, c'est pour nous tous liés. Faut nous tous respecter règles jouet là. Parti politique paysan, gen mo pal pou le di. Même gens, l'autre parti politique yo, gen mo pa yo tout pou yo di. C'est dans tête ensemble pour nous river libérer pays nous. Parti politique paysan souhaité pour quatre la rebat net. Mobilisation pour changer système l'état mafia ça pral renforcer pired nan jou ki pral vini la yo. Fok toute explication bay comme ça doit sous façon l'argent l'état te dépensé principalement l'argent Petro-Caribéa. Lè ap gen yon bon procès sous comment l'argent l'état te dépensé nan pays d'Haïti, tout moun ap gen pou marcher ak dossier yo pour vin défendre tête tout. Ancien premier ministre Lamotte paré. C'est pas dans un procès téléguidé à propre monde qui impliqué juste dans coup dans l'agent Petro-Caribéa l'a fait ça. Nous disons un complot politico-judiciaire ou juridico-politique. C'est parce que c'est tout responsable qui t'a géré l'agent l'état ou soit l'entreprise publique ou l'entreprise privée que on doit poser question depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Mais l'en garder nous, c'est seulement ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui ont ciblé. Nous, même pas de paysan, nous constatons que nous avons fait un procès sélectif, un procès programmé, un procès téléguidé contre ancien ministre Laurent Salvador Lamotte. Nous, même au niveau de la paysan, nous dit c'est tout responsable entreprise publique et privée qui a géré l'argent de l'État, sorti l'année 2008. Pour venir jusqu'à aujourd'hui à qui pour impliquer dans la qui pour venir dire comment ils ont réalisé projet avec l'argent Petro-Caribéa. Mouvement original PHTK critiquait ça qui s'est passé dans le Cap un jour qui était samedi 10 novembre 2018 là côté politiciens mal intentionnés, sans caractère, dérivés, humiliés, fierté nous, qui se dit à pour nous. N'a pas appelé politicien ça, vêtir pas écrit dans le dictionnaire français. Peuple haïtien, après tout effort, Papa Nation fait pour le monde nous dire pour ça, politiciens mal intentionnés pour intérêt personnel, ils veulent continuer à humilier lui pour ça, qui se fierté nous. N'a dit à politicien ça yo c'est sous du apoa yo te posé mais yo pendant trois fois là yo te a prêté serment comme magistrat c'est sous du apoa ça yo te déposé mais yo pendant une fois là yo t'a prêté serment comme moun qui t'a venu sénateur pays a jodi a c'est même moun ça qui prend plaisir pour passer du apoa nous en papier et puis journée jodi a nous remarquons ces politiciens, ça y a qui cause insécurité dans le pays, dans le boulet marché, dans privatiser boîte l'État, dans la jeunesse, dans violer la Constitution, et puis dans la bataille contre la démocratie. Pour nous finir, nous avons dit président Jovenel, continuez à retirer tout mauvais green de côté. Mauvais green, nous avons testé dans les actes malhonnêtes.
président, nous-mêmes qui sommes original haïtien tête calée, nous avons un procès Petro-Caribéa. Parce que le procès Petro-Caribéa est bon pour tout le monde en général. Et je dis, nous prenons responsabilité nous à main pour nous dire que la justice triomphe parce que c'est justice qui a fait nous une grande nation. Merci. Groupe 17 parti politique allié président a salué la presse parlée, écrit, télévisé avec la presse en ligne. Groupe 17 parti politique allié président a fixé position par rapport à mauvais rumeur la troublée qu'a planifié pour occasion célébration date historique bataille vertière. Nous sentons-nous indignés. Les n'attendaient comment yon ensemble dirigeants politiques a prêché violence pendant y a pran ou libre sous dossier Petro-Caribéa pour yon mandé population al fè de choukay détruit la vie ak bien moun krasé brisé yon façon pour payan vin pi pov pour créer plus chômage et la misère qui a traîné un pays dans l'insécurité toute qualité. Groupe 17 parti politique allié président mande peuple haïtien rete vigilant. Pas prendre provocation ni manipulation aucun dirigeant politique anarcho-populiste qui gen kòb Petro-Caribé a nan men yo. Et puis cap voyer fait manifestation voyer moun al déchouquer al bouler business craser briser propre pays nous dans plein 21e siècle ça nous-mêmes dirigeants groupe 17 parti politique allié président nous condamnons opposition traditionnelle ça destructeur cap mandé nous craser pays nous pas gain aucun dirigeant ça pas gain aucun intérêt dans pays a parce que madame yo ak petit yo pas vivre dans pays a y a vivre dans l'autre pays. Manifestation c'est un droit constitutionnel mais cap chercher faire popularité nan fait des ordres ak fè action malhonnête. Groupe 17 parti politique allié président mande population rete tête prête. 18 novembre nan c'est une date historique, une date symbolique côté nous pral commémorer bataille vertière. N'a célébré date ça nan la paix ak fraternité. Pendant n'a continuer réfléchir et travail pour Haïti chez nous continuer avancer sur le changement tout bon vrai. Il y a un petit groupe politicien malfaiteur zoratant qui a nostalgie déchoucage. Il a fait appel à la guerre civile. Il a fait appel à déchoucage. Drapeau nous qui c'est symbole fierté nous en tant que peuple. Yo pas respecté le, yo profané le. Tout ça parce que yo gen soif pouvoir. Yo vle mener pays nous la transition. Yo vle lague nous dans la troublaille. Pour blanc ka retourner vin occupé nous. Même Jean ça t'est fait en 1915. Et nous tous connaissons qui douleur occupation ça t'est causé nous. Et jusqu'à présent, n'a payé conséquence occupation ça. Réseau national tête calée. Dans ce sens ça, décidé, lancer un appel au réveil patriotique face au Petro de Chouquet. Faut que nous identifions Petro
déchouquer yo. Tout monde qui pas respecté mémoire ancêtre yo, c'est Petro déchouquer. Tout monde qui craché sous date historique nous yo, c'est Petro déchouquer. Tout monde qui pas respecté couleur drapeau que maman doit maman loi pays a reconnaître là, yo c'est Petro déchouquer. Tout monde qui pas voulait respecter mandat yon président qui élu constitutionnellement, c'est Petro déchouquer. Tout monde qui dit procès Petro Caribéa pas qu'à fête à pouvoir qui en place là, yo c'est Petro déchouquer. Peuple haïtien, gagnon petit groupe délinquant politique qui soit déchoucage, il a fait toute stratégie pour mener le pays à dans déchoucage, dans chaos, dans la troublaille. Réseau national tête calée dit nous attention, attention peuple haïtien, déchoucage c'est pèlerin, déchoucage. Oui, peuple haïtien, déchoucage, c'est boule moun tout vivant. Déchoucage, c'est piller bien moun. Déchoucage, c'est faire moun aller en exil forcé. C'est pour nous cementer. 7 fois, 77 fois, 7 fois, nous pas tourner en déchoucage. C'est pour nous lever voix, nous bien haut, peuple haïtien, pour nous dire. Abat déchoucage! Abat déchoucage! Abat déchoucage! N'a demandé à tous compatriotes pour yon toujours été en mode vigilance! Oui, peuple haïtien, vigilance au maximum! Petro déchouke yo préparé pour yo profiter de mouvements citoyens qui ont des lumières sous question l'agent Petro-Caribéa pour yo craser, pour yo briser, pour yo piller bien moun, fait tout zak malhonnête sous citoyens paisibles dans la société. Nous demandons pour tout patriote conséquent pour yo commencer à préparer yo, pour nous lever campé, pour nous faire échec à plan diabolique Petro déchouke yo. Moun sa yo, yo sans respect pour la volonté populaire. C'est pour tout compatriote, tout citoyen conséquent, tout monde qui remet Haïti et qui connaît Haïti, c'est là qu'il vive. Tout le monde qui a fait effort pour posséder un petit caille. Tout le monde qui a fait effort pour posséder une petite machine. Tout le monde qui a fait effort pour posséder un petit business. En d'un pays, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous lever campé, pour nous croper. Plan Petro déchouke yo en d'un pays d'Haïti. Pour prendre nous prenons la mobilisation, nous prenons descendre sous béton. Nous supportons la bataille Petro Caribéa. Tu mets ce challenge Petro. Oui, nous pas de problème. Nous voulons l'autre. Nous voulons l'autre Haïti. Nous voulons réparation comme Petro Caribéa. C'est une déstabilisation. Les gens qui ont jeté préval, pas de lumière qui fait dans le dossier Petro. Même si ça a passé dans la coopérative, il y a une façon pour capoter Jovenel pour pas de procès qui fait dans le dossier Petro Caribéa. Dossier Petro Caribéa, procès a fait et Jovenel a fait un mandat et puis pour permettre que nous ayons stabilité. Pour permettre de payer à demain.